Nous allons devoir éteindre nos portables. Tata Simon Moumazou Lunkembo, Diame Katoula, Soumou Diame Vinigisayou, Alléluia. Tata Nzambe Kolos Masia, Tata Simon Kimba Moulimo Santo, Matondi Matondi, Namoukou Manelo, Moukou Yesen. Kala moye bimi pona moto nyonso mabe moti malamu yolobiete bonok srape mbula pona moto nyonso yango biso tolobiete moye bimi pona biso batuna mpasi batuna sena tango ya masumu ezali ete molimo na yo nde emonisami nde toye tata na liloba na yo po ete mokolo lelo eza mokolo oyo yo bongisa yo mokolo akisaki ndakisa ete osaki mikolo motoba opesaki biso mpe yango kasi ya sabata oyo ya sambo ezali mpona mokano na yo bana bato bakoyaka po ete basanzola yo ezali yenga ya mandalala oyo yesu masiya okotaki ya solo kati na nkembo na yerusalemu bayekoli babangaki balobi ete kuna nde esika balobi yo ngambo yobaki esengeli okende mpo mokani kokisama oyamamaki bawamba te ozana eyemamaki mokolo yango yango biso mpe lelo tolobi ete kota na nkembo na mitema na biso mpo lelo ete nzela kunda yango ya kobata eza mitema na biso tosepela na yo mpe nyonso kosala mpo na biso mokolo ya ese otiki mabondeli nyonso na mangomba oyo efungoli ya molimo santo ezokumbisa yo na solo mpe na molimo ozala na bango mpe singa mobilo maboko kimia ezala kati na mabota ye lelo na biso nde otoye tata tozonga lolenge toye te ete otoya likumba etikala mpo ye opesa biso ezali ezindo lelo lobi mpe obideko nyonso tata mwana mpe tata molimo mosantu amen 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 matondo
Papa,
papa nazali mwana masumu liboso na yo ta munyoso papa nakoboma masumu na ngate liboso de papa te oyebi yango ya mutaratina ete papa na lobimbi sangai limbi sangai pepe tola ngai na makilano esanto papa na ibali susu kobenga mamwana liboso na yo na ibali susu kotele maliboso elanga na yo nzambe na ngai o nakosenga na mongao papa ekoma na mboka na oyo ya buye ya mutaratina na lobimbi susu merci encore une fois de plus pour louer notre Dieu. Thank you.
et l'homme de Dieu va nous lire les psaumes et les 10 commandements de Dieu. Bible. Et par sa grâce, aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 25, 4 à 8. Et Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. L'Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Alléluia. Exode 20, du 1er au 17e verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alléluia. Le yembo na Dawidi ya tukumi bale na mitano, tobani na nzela ya minei ti na mwambe. Kutanga elobi boye. Eh Yahweh. Yebisangai njela na yo. Monisangai bilekelo na yo. Tambolisangai kati na solo na yo pe la kisangai. Njambi yo zali njambe na kubika na ngai. Nazali kotalela yo mokolo mobimba. Eh Yahweh, kanisa mawa na yo mpe boboto na yo mpo ete yango ezali longwa na kala. Kanisa masumu na bolenge na ngai te. Tala bipengweli na ngai te. Eh Yahweh, pona boboto na yo kanisa ngai. Eh pona malamu na yo. Yahweh ajali malamu mpe na boyenge mene. Bongo akoteyaka bato na masumu kati na njela. Alleluya. Sude ya tukumi bale kobanda na nzela ya liboso tikino na zomi na sambo. Mibeko jomi. Nzambe alubaki maloba oyo nyonso ete. Ngai najali Yahweh nzambe na yo, oyo abimiseki yo na mokili na Egypto na ndako na bowumbu. Okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te. Okosala ekeko mpo na yo te, soko elilingi na eloko na lola na likolo te. Na mokili na se te to na mayi na se na mokili te. Okokumbamela yango te to kosalela yango te. Po ete ngai Yahweh nzambe na yo, najali nzambe na joie.
nakobate la pena kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyina kangai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolinga kangai mpe bakotosaka mibeko na ngai okotanga nkomo na Yawe Nzambe na yo pamba te po ete Yawe akolongisa te oyo atangi nkomo na ye pamba kanisa mokolo na sabata ete ombulisa yango okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo na mokolo yango okosala mosala soko moke te yo te mpe mwana mobali na yo te mpe mwana mwasi na yo te mpe mohombo mobali na yo te mpe mohombo mwasi na yo te mpe bibwele na yo te mpe mopaya na lopango na yo te po ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili mpe mai monene mpe biloko nyonso kati na yango mpe apemaki na mokolo na sambo yango wana Yawe apambolaki sabata mpe abulisaki yango kumisa tata na yo mpe mama na yo ete mikolo na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okoloba matatoli na lokuta na ntina na mozalami na yo te okolula ndako na mozalami na yo te okolula mwasi na mozalami na yo te soko mohombo mobali na ye te soko mohombo mwasi na ye te soko ngombe mobali na ye te soko mpunda na ye te soko eloko nini ezali na mozalami na yo te alleluya. Nous sommes arrivés au moment où nous allons prier pour les malades. Amen. 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 Nous allons nous lever et glorifier notre Dieu. Thank you.
Yeah.
arriver au moment où nous allons prier pour la paix dans le monde. J'invite papa Justin, maman Mi-José et papa Mandiata pour la prière. Nous qui restons, nous allons prier au fond de notre cœur. Jésus-Christ, Papa Simon Kimbang, l'éternel désormais Dieu Tout-Puissant. Merci, Colin, pour la télévision, pour la télévision 6 jours pour la mission. 7e jour, les hommes, Colin, de Yaka, Mana Boto, Sibaya, Kakozon, Samato, Papa, nous connaissons les autres, et bien, nous connaissons. Pour te dire, merci, Papa, pour la télévision. Semaine, papa. Ya solo kasibana yeba na ndako na yo. Kasibana na yo pe baye na mikumba. Ya solo kolo. Na makumi na yo komami. Mikumba na biso tobi meme la tepe ko leka biso kilo. Kasibana ko tika mwe pa na yo Yesu Masia. Ya ko tika mwe pa na yo papa Simon Kimbango. Pote to tika na leje. Ya ko pa na yo papa tuene mikumba. Ya solo kimi ezalite papa. Tous les cinq continents du monde. Bana na yo baza ko lela. Baza ko swamino. Papa baza ko lela pasi. Ya solo nani mopesi kimia. Soki yo te nzambe papa. Ya wana mokula lelo biso na to ya moyo. Totale li bana na saloka te. To ba magicien, to ba marabu. Kastoye pa na yo. Oto zabe pa na yo kolo. Bebe bi bozwa kimia. Oto za ko luka. Wana fe mo sumo ne mo sa. Na kombo ya tata mwana kamuya sendera papa madamu ndo wanyeni madamu madamu ezalilo ke kamena mamo papa mokote ya lobanga lokola yo pe mokote ya sala kamuya vile papa tala na ngunga kitoko ngunga ya yo zambe moye ezali kongala nzambe na nguya me papa satana ezali tambo na ye Génération en génération, éternel,
Nous sommes arrivés au moment où nous allons donner la place à la chorale. Mais le temps que la chorale se prépare, j'ai un petit témoignage et à la fin, je vais louer mon Dieu avec un chant en Kikongo, mais je vais chanter juste un couplet. Amen. Vers la fin du mois de mars, j'avais pris une semaine à la maison, j'étais en train de jeûner et prier pendant une semaine. J'ai demandé quelque chose à mon Dieu. J'ai fait ma prière, j'ai commencé du matin jusqu'au soir, je mangeais que vers 18h. Alors, à ma grande surprise, la semaine passée, une maman de l'église m'a appelé. Elle a dit, papa Willy, j'étais en train de prier. Regarde ce que le Seigneur me montre pour toi. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu, c'est la chose que j'attendais de la part du Seigneur. Et hier, dans la matinée, un ami m'a appelé. C'est un frère en Christ. Il m'a dit, Willy, j'étais en train de prier, regarde ce que le Seigneur m'a dit pour toi. J'ai dit, Dieu merci. Et hier, à minuit, je me préparais pour prier. Il y a papa Kiyika qui m'a appelé. À minuit. Je regardais la montre, minuit, je dis, mais je dois prier. Il m'a dit, oui, papa, je sais qu'il est minuit chez vous. Tu dois te préparer pour prier. Mais j'ai un message, nous sommes à l'église, en veillée. Mais j'ai un message de la part du Seigneur. Et il m'a donné ce message. J'ai dit, Dieu merci, c'est une confirmation. Quand on demande quelque chose à Dieu, il le fait, il l'accomplit. Raison pour laquelle, à chaque fois, je répète ici, je dis, il y a des choses qu'on demande à Dieu, il faut jeûner et prier. Des fois, nous sommes là, c'est à s'agenouiller, à demander à Dieu, non. Il faut aussi des sacrifices. Moi, j'ai passé une semaine, j'ai laissé à manger à côté. J'ai commencé du matin jusqu'au soir à 18h, je mangeais. Dès que je mange à 18h, jusqu'au lendemain à 18h, le Seigneur a répondu à mes prières. Je sais que la parole de Dieu, la parole ne sort pas en vain sans que ça puisse faire des effets. Et la foi me dit que même si je n'ai pas eu la chose, mais par la foi, elle finira toujours par s'accomplir certainement. Donc, je tiens cette parole. Et pour cela, je vais chanter un chant Kikongo pour glorifier Dieu. Amen. Amen. On zambia pungu butu indula nga mavanga ma kubutu silanga tumweni vo utukubanzilanga bile kwa bie na muka yengele on zambia pungu Indula, nous savons que ma vanga ma kubutu silanga.
tout ce que tu fais, c'est ce que nous arrive à nous. Nous avons remarqué que tu te souviens toujours de nous. Bile kwa bie na muka yengele. Aujourd'hui, demain, éternellement. Thank you.
choses à Dieu. Quand on demande, c'est bien, mais le Seigneur aussi a certaines conditions que nous devons respecter. Amen. C'est comme quand nous allons au boulot, nous devons fournir des efforts, nous devons travailler afin que nous soyons payés. Vrai ou faux? Voilà. Dans les choses de Dieu aussi, c'est pareil. Amen. 2 Corinthiens 9. Commençons par le verset 6. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Suivons très bien. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore une abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de la largesse, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Yeah.
te disons merci. Et ainsi, je vais prier concernant ta parole sur 2 Corinthiens 9, 6, 11. Papa, selon ta parole, laisse que tu puisses bénir tout un chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Papa, accomplis ta volonté selon tes écritures. Ceux qui ont pu donner et ceux qui n'ont pas pu, mon Dieu, mon roi, que toi seul tu pourvois à leur besoin. Il y a certains qui n'ont pas de papiers, mon Dieu, mon roi, et d'autres manquent du travail. Seigneur, toi tu es capable et c'est toi qui es le pourvoyeur des besoins. Papa, laisse que tu accordes les papiers à ceux qui n'en ont pas. Accorde également, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont dans la recherche du travail. Père, toi tu as dit dans ta parole, frapper, chercher et demander. Papa, si tes enfants accomplissent tes trois verbes, laisse que tu puisses les bénir. Ouvre les portes à leur faveur, mon Dieu, mon roi. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Nous sommes arrivés au moment où nous allons accueillir nos papas et mamans qui sont venus pour la toute première fois parmi nous. Là où vous êtes, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Si c'est pour la toute première fois que vous venez, merci maman. Zambe ya kuna kio
Thank you.
Qui a fait que nous puissions nous rencontrer encore ici pour te glorifier en ces jours de sabbat. C'est 9 avril, c'est ce jour que nous avons célébré le dimanche des rameaux. Seigneur Jésus, tu étais entré dans la gloire à Jérusalem parce que tu savais que tu devais te glorifier comme les Écritures nous avaient annoncé par le prophète Esaïe. Mais c'est vrai, c'était pas pour que tu puisses avoir le pouvoir de ce monde, parce que le pouvoir de ce monde n'était pas pour toi, mais parce que tu voulais accomplir ce que je t'ai arrangé avec le Père Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi aujourd'hui aussi, tu es venu dans la joie qui bénit tes enfants. Parce que ces jours-là, beaucoup ont été bénis. Beaucoup ont chanté aux âmes au Fils de Dieu. Ils appellent de très haut et puis la destinée la terre aussi. Parce que là, aujourd'hui, voilà comment le monde est en train de fonctionner. Beaucoup ont mis leur espoir dans tout ce qui est mondain, en oubliant que c'est toi le seul qui peut conduire les gens dans la paix et surtout dans la concorde. Nous pouvons que nous soumettre à ta volonté, parce que si le temps n'est pas accompli, ça ne sera pas le temps. Mais il y a une chose sur la terre, sous les cieux, que chaque chose a une début et une fin. Et nous espérons que la fin sera toi, le Seigneur, parce que tu le feras. Voilà que tu nous as aussi prêché aujourd'hui, si tu es que la clé de notre vie, c'est toujours tes mains. Comme Sarah avait espéré en toi, comme aussi Papa qui manque, tu avais accepté, c'était 6 avril 1921, de prendre les flambeaux de la paix, de l'esprit, pour qu'aujourd'hui nous puissions bénéficier de ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, tes enfants vont rentrer, certains vont pas de bus, de métro, de train, et tu puisses les accompagner. Le mercredi, parce que c'est le jour que tu les as promis pour qu'ils restent voir tes enfants, nous serons encore là. Et le vendredi, c'est aussi le jour que tu as préparé pour que nous puissions venir aussi te louer. Merci encore pour ces dimanches. Parce que c'est vrai, nous sommes arrivés presque soir, mais parce que Seigneur, ce n'était pas pour rien, ce n'était pas en vain. Toutes les prières qui ont été faites ici, toutes les bénédictions que nous avons reçues, que ces bénédictions puissent nous accompagner. Et demain, ça sera le lundi, ça sera le début de la semaine, que la semaine puisse commencer avec toi, comme nous l'avons commencé la semaine passée, et cela puisse terminer avec toi. La semaine prochaine, le dimanche, ce sera le dimanche de Pâques.
Nous voulons que tout le monde, Seigneur, puisse être en plein comme tu as toujours voulu, parce que c'est le symbole de la pureté, le symbole de la lumière, et ça sera bien pour nous. Merci parce que tu es Dieu, parce que tu nous as bénis et tu nous béniras aujourd'hui, demain, éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.